Felicity Bauer, Prague, le 8 novembre 1912. Chère Mademoiselle Felicity, je ne peux pas aller chercher le papier à lettres à minuit et demi. Il est dans la chambre d'à côté, mais ma sœur y dort. Il y a un petit désordre dans l'appartement parce que notre petit-fils et neveu est venu loger chez nous à cause de la naissance de sa sœur. C'est pour cela que j'écris sur ce papier buvard avec lequel je vous envoie simultanément une épreuve de mon petit livre. Écoutez-moi donc, très chère mademoiselle, il me semble que dans le silence de la nuit, mes mots prennent plus de clarté. Pourrions-nous oublier ma lettre de cet après-midi en tant que lettre et la garder en guise d'avertissement? Bien sûr, en bonne et parfaite entente. Cet après-midi d'aujourd'hui, après cette lettre, sera inoubliable pour moi, pour son horreur. Le temps passé à écrire la lettre était pourtant suffisamment affreux. Je suis ainsi quand un jour je n'ai rien écrit pour moi, bien que ce ne soit pas la seule raison. Si je ne vis que pour moi et pour des indifférents ou des habitués ou des personnes présentes, qui par leur indifférence ou leur habitude ou leur force vive et présente compense ma carence, alors les choses iront de l'avant d'elles-mêmes, y compris pour moi, sans qu'on remarque. Mais quand je veux me rapprocher de quelqu'un et m'engager, la détresse est irréfutable. Alors là, je ne suis rien, et que puis-je faire avec ce rien? Je reconnais même que votre lettre du matin, l'après-midi, c'était déjà différent, est venue au bon moment. C'est justement de ces mots-là que j'avais besoin. Mais je ne suis toujours pas rétablie, je le remarque, je n'écris pas avec assez de clarté, même par rapport à cette lettre, votre reproche serait justifié. Nous allons nous en remettre au sommeil et au Dieu favorable. Comment trouvez-vous ce spécimen de caractère? Le papier sera bien sûr différent. Il est sans nul doute un peu trop joli et serait plus approprié pour les tables de la loi de Moïse que pour mes petits subterfuges. Mais ce sera quand même imprimé ainsi. Portez-vous bien. Il me faut plus de bienveillance que je n'en mérite. Votre Franz K.